Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ce que je vais montrer dans ce tutoriel, si vous souhaitez le réaliser et que vous n'êtes pas professionnel dans le domaine, je vous conseille de faire appel à un technicien ou un technicien réseau, de préférence. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos du Wi-Fi. Le Wi-Fi ou la Wi-Fi. Donc, si vous suivez les tutoriels, de la chaîne, vous saurez pas mal de choses sur cette technologie. Donc, lui est une connexion distante. Mais, par rapport à la connexion filaire, vous avez un cran en moins en termes de sécurité. Si ce n'est pas deux crans, parce que c'est une connexion, c'est des ondes. Donc, ce sont des ondes où on peut intercepter les ondes via des techniques pour pouvoir infiltrer votre réseau à la maison ou dans l'entreprise, par exemple. Récupérer vos données, perturber votre réseau dans l'entreprise ou à la maison. Comment faire pas mal de choses. Par exemple, comment avoir cette notion-là, réseau masqué. Si j'avais montré comment partager, s'il vous plaît, merci. Faire pas mal de choses, notamment comment remplacer le mot de passe de votre Wi-Fi si c'est trop compliqué et changer le SSID, le nom de votre Wi-Fi. Ça, c'est dans le jargon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment filtrer. Donc, je vais plutôt mettre une access list qui va servir à quoi? Eh bien, à interdire une machine qui s'est connectée sur votre réseau de manière non autorisée, eh bien, il a laissé des traces. On va se servir de ces traces-là pour l'interdire, pour qu'il ne puisse pas se connecter de nouveau sur le réseau. Ça peut arriver, hein. Mais lorsque vous administrez un réseau, vous devez savoir pas mal de choses. C'est-à-dire que notamment l'adresse MAC, c'est via ça qu'on va passer aujourd'hui, pour pouvoir bloquer un équipement qui se connecte, qui s'est connecté, ou en même temps qui est connecté d'ailleurs. Hein. Le routeur joue un rôle important dans le réseau informatique. Lorsqu'un équipement se connecte, il est reconnu par son adresse MAC. Sans plus tarder, on va aller dans le sujet. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Là, ce sont les Wi-Fi qui sont là. En principe, comment ça se passe? Pour ceux qui ne connaissent pas, mettons, je mets du connect. Et je vais vous plier pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Je vous prie de vous abonner, merci. Hop, on se connecte. Là, vous avez déjà le nom. Hein. Ça, c'est dans le cas où le Wi-Fi est activé. L'onde Wi-Fi est activée sur le routeur. Vous le captez comme ça, il vous donne le nom. Donc, dites SSID, Emeritech. Et là, vous avez le mot de passe. Ce mot de passe, si vous connaissez, vous le mettez. Et parfois, vous vous trompez, vous recommencez. OK? Là, cette machine est connectée sur ce réseau numérique. Mais le routeur, lui, de l'autre côté, a les informations de cette machine, notamment l'adresse MAC de la carte réseau Wi-Fi à cette machine. Donc ça, c'est pas grave, il faut que j'aille voir dans les licences de Windows, là. OK, ça, c'est bon. C'est pas le but du tutoriel. Maintenant, il existe une façon pour aller voir la carte réseau. Donc, même plusieurs façons. Pour lancer votre invite de commande, que ce soit un administrateur ou autre, vous tapez cette commande, ipconfig. C'est pas la peine de le lancer à l'administrateur. Ipconfig. Laissez un like plus un commentaire. Ipconfig, un espace, et vous mettez ceci. Là, vous aurez les paramètres IP de la carte réseau Wi-Fi de votre machine. OK? En principe, vous avez. Si je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Donc, la carte Ethernet, c'est la carte filaire. Et je vais aussi faire un petit tour dans les cartes réseau.
Là, voici la carte réseau filaire, ce que vous voyez là. Donc, ce n'est pas connecté. Voici la carte réseau Wi-Fi. Lui est connecté sur le réseau qui est là. Donc, nous, on ne va pas s'occuper du filaire puisque elle n'est pas connectée, cette carte réseau. On va plutôt aller dans carte réseau sans fil. SKT1. Ça, c'est le nom qu'il a. Là, vous avez l'adresse physique qui est celui-là. Souvent en hexadécimal. Ceci est propre à chaque carte réseau et chaque appareil connecté est une adresse comme celle-ci. C'est ça qui détermine l'appareil, quoi, carrément. Prenons ça comme une voiture, par exemple, c'est ce que vous allez trouver sur le moteur, par exemple, sur le squelette, en fait, de la chose. C'est propre à chaque machine. C'est via ça que le routeur, lui, vous voyez cette machine-là. Lui contient deux cartes réseau. Cette carte réseau filaire aussi a une adresse physique. Bon. Tiens, je vais le connecter, vous allez voir. Ok. Vous voyez? Vous avez vu l'adresse? Ceci. Maintenant, si je nettoie un petit peu pour un CLS, pour relancer la commande ipconfig slash all, puisque voilà. Maintenant, la carte Ethernet est connectée aussi. Carte réseau sans fil. Donc, connecter, ça c'est autre chose. Maintenant, sur les licences, là, il faut que je vois ça. Vous avez ceci. Ouais. L'adresse physique de la carte filaire, c'est F2 à la fin. Et si vous avez l'adresse physique de la carte sans fil, c'est C5 à la fin. Donc en gros, pour le routeur, même si c'est un seul ordinateur, si j'ai relié ces deux cartes réseau-là, ben ça va être considéré comme deux machines sur le réseau. Admettons que la sécurité que je vais mettre tout à l'heure, je vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Et d'activer la petite cloche de notification pour être à jour, en fait, sur les autres tutoriels. Comme ça, vous savez que ce que je dis là, vous allez, si vous avez besoin d'utilité, ben, vous allez bien, bien, bien comprendre ça. Commentaire et tout. D'accord? Admettons que je vais mettre l'access list pour, sur la carte réseau sans fil. C'est ce que je vais utiliser tout à l'heure. De toute façon, on va les tester. Ou bien sûr, la carte réseau filaire. Mais ça voudra dire que si j'ai mis sur sans fil en premier, ben la carte réseau sans fil ne va pas pouvoir se connecter sur le réseau. En gros, c'est ça. Et si je le mets sur la carte filaire, ben la carte filaire ne va pas pouvoir se connecter avec son adresse MAC. Dite MAC address en anglais et physical address. OK? Là, ce sont les processeurs pour cet ordinateur. Mais on va je vais prendre une autre machine de l'autre côté. Je vais voir si il est disponible. Je vais faire un petit ping. Normalement, c'est 67.77.14.7. Normalement, qu'est-ce que j'avais donné? Je ne me rappelle même plus. C'était la 2. C'était ça, ouais. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Il faut que j'aille relever l'adresse IP de l'autre. Là, on fait un petit peu de travaux pratiques. De toute façon, lui, il est pas connecté aussi. Là, c'est mieux. C'est mieux, il n'était pas connecté, c'est bon. Même là, c'est pas bon. Ah, c'est 43, lui. Ok. Là, c'est une machine qui répond sur l'adresse IP 43. Voilà.
ici, je vais utiliser cette machine. Je vais prendre, ok, pour ceci, je vais lancer, je vais prendre la main dessus à distance. C'est pas trop compliqué. Je vais passer via le protocole RDP. Celle-là. Connexion du bureau à bout du sein de Windows. Et là, par contre, il va falloir que je puisse mettre celle-là. On peut passer par celle-là. Oui. 2, 4, 3. Par le nom aussi, mais vu que c'est un réseau de test, ça pose pas de problème. Et là, en ce principe, je vais mettre le nom de la session et les mots de passe. Ça, c'est autre chose pour aller dire que je vous ai montré comment prélever certaines informations pour la machine. Là, on est là. Par exemple, là, c'est une autre machine qui, lui, se laisse par là. Hop. Fais voir si sa carte réseau, lui, n'est pas connecté. Donc, lui, on peut le connecter ici. Pareil, je dois mettre le... Pour qu'il puisse avoir, voilà, une adresse IP pour pouvoir relever. Donc je vais mettre à la racine, c'est anti-slash par là, parce que c'est une technique. Là, pour venir faire un IP config, espace slash all. Là, on est censé voir, là on est connecté sur la wifi de l'autre machine pour aller prendre la carte réseau sans fil, son adresse MAC, ceci. Et maintenant, on va maintenant pouvoir mettre l'access list en place pour interdire à cette machine de se connecter sur le routeur, sur le réseau wifi. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Là, vous avez besoin de la passerelle par défaut. En faisant cette commande-là que je viens de faire, ipconfig slash all, vous avez les paramètres IP. Donc, la passerelle par défaut, dites gateway en anglais. C'est ceci que vous allez devoir relever. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'adresse que a l'interface du routeur. OK? Donc, vous prenez ça, faites un copier-coller, vous lancez un navigateur, peu importe lequel, et vous allez vous connecter sur la passerelle pour aller mettre l'access 6 en place. Mais vous allez voir ce que ça va faire. Par défaut, si vous avez un routeur Netgear, c'est admin. Parce que c'est un routeur déjà que j'ai. Ici, vous devez mettre le mot de passe que vous devez au préalable changer lors de la première connexion. Parce que par défaut, tout le monde sait que c'est ça. Admin et password sur les routeurs Netgear le plus fréquemment. Donc c'est pour ça qu'il faut changer ceci. Là, vous êtes à l'interface du routeur. Donc si je fais un tour par là, vous allez voir le modèle. Voilà, c'est celui-là. Et nous, on va s'occuper du Wi-Fi. Donc on a dit que wireless setting dans la partie setup. Donc ici, vous avez le SSID, c'est par là pour changer, pour mettre le mot de passe, choisir le clé de déchiffrement, on a déjà fait ça. OK?
Laissez ça ID, donc il y a le nom que vous voyez ici. Donc ça, c'est ce réseau-là où nous sommes connectés ici. Maintenant, la partie wireless setting, dans le segment setup, on ne s'occupe pas de ça pour le moment. Ça, c'était la première partie, le tuto est sur la chaîne. Mais par contre, dans wireless setting, dans le segment advanced, vous cliquez dessus. Voilà, en classe, puisque là, c'est parti access list. Donc, on sait comment activer le routeur Wi-Fi, désactiver, masquer le nom, les SSID en fait, plein de choses. Mais là, nous, on va faire la partie wireless cat access list. L'access list, si vous voulez, pas du tout ici. Mais avant, je dois soit réfugier, je vais pas me laisser passer. Donc, c'est ça. Ici, pour aller taper access list. Plus loin, c'est 10S. Plus loin, access list. Dites ACL. OK. Peut dire ACL aussi. Pour les routeurs Cisco, autre chose, vous avez pas mal de choses. Voilà, access control list. Le contrôle d'accès en français désigne traditionnellement deux choses en sécurité informatique. Un système permettant de faire une gestion plus fine des droits d'accès aux fichiers ne le permet la méthode employée par les systèmes Unix. Wikipédia, donc ça. Voilà, mais on parle de Linux. Linux, c'est un système d'exploitation qui est différent de Windows. Et c'est pas de ça qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est plutôt pour l'ACL en fait. Access Control List. Là, on retourne sur le routeur. Ici, on fait Setup Access List. Là, je vous conseille cette case-là. Laissez comme ça. À la fin, là, vous faites Add par exemple. En principe, vous avez les machines qui sont connectées en Wi-Fi sur ce réseau. Donc c'est, on va, par exemple, chercher vraiment. On a dit que c'est cette machine-là qu'on va interdire. On va le faire sur la carte réseau d'abord. Donc lui, on a dit que c'était un A3 à la fin. C'est celle-là. F8, CB A3. C'est. Ça, son adresse MAC à la carte sans fil de cette machine, de cet ordinateur. Donc, nous, on va revenir sur le routeur, on prend l'adresse. Okay, donc, on a dit que c'était ça, c'est ça, c'est B A3. Le nom de la machine, c'est ça. Ça importe, mais c'est le MAC adresse. Vous prenez ça. Sinon, vous pouvez même cocher et le nom apparaît direct, coucher uniquement. Si vous faites add, et là, et sous certaines équipements, on va voir peut-être tout à l'heure. C'est mettre dans la liste noire, mettre dans la liste blanc. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, dans la liste noire, eh bien, cette machine ne pourra pas se connecter. Lorsque c'est dans la liste blanche, on laisse ça connecté. Et on a même, sur certains appareils un peu plus poussés, par exemple, des jours que la machine peut se connecter, d'autres jours non. Donc ça, c'est un peu plus poussé encore. C'est pour, par exemple, pour administrer un peu plus finement la chose, quoi. Par exemple, vous savez qu'il y a des jours et des heures, telle machine avec sa carte, avec son adresse MAC peut se connecter, et telle heure, il doit se déconnecter. Donc, intéressant. De toutes les façons, si vous vous êtes abonné, et que, moi, je vois que ça fonctionne, donc moi, je pourrais vous,
dévoiler tout ceci. Comme ça, vous allez bien pouvoir administrer votre réseau, que ce soit dans l'entreprise ou chez vous. Ce que je voulais vous dire aussi, je vous invite à bien contrôler le nombre des équipements qui se connectent à votre réseau, quoi. Ceci à l'interface de routeur ou sur le réseau direct. Le réseau direct, si vous avez, par exemple, 9 machines, par exemple, une centaine de machines, il faut savoir que via les adresses IP, vous pourriez déjà mettre des restrictions. C'est-à-dire qu'on ne va pas gaspiller toute l'adresse IP, que vous n'ayez pas d'adresse IP qui va trimballer à toutes les machines qui vont venir. Ils vont, ils ont une adresse IP, ils vont se connecter sur le réseau, et puis vous, bon, voilà. De toute façon, il y a des sécurités qui sont déjà sur la chaîne. Si vous suivez, vous allez voir. Là, on a fini. Donc là, vous avez vu, c'est connecté en Wi-Fi. Je vais le déconnecter. L'access list est paramétré comme ça. Là, vous avez vu que cette case à cocher donne access list contrôle on. Vous voyez, j'ai coché ceci. Là, maintenant, si cette machine, ok, la carte réseau qui a comme adresse MAC, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est cette machine-là. Donc, cette machine-là, est-ce que cette carte réseau-là, oui, il faut que je passe un CLS. CLS, un IP config. Slash all hope. Si on va chercher, là il l'a pas pris, hein. Il l'a pas pris. Il faut que je nettoie encore CLS, puis je vais appeler la commande. Je crois que ip config slash all. Ah là, il y avait un espace de trou. Voilà. Voici la carte réseau qui est mentionnée sur le routeur. On ne va plus laisser se connecter. C'est celui-là. Ça, c'est la carte Ethernet. Voici la carte réseau sans fil. Qui a ceci et qui est mentionnée ici, là. Lui, il ne faut pas qu'il se connecte. Voilà la machine, un test qui va scanner. Voici le réseau en question. Qui fournit ce routeur, il fait se connecter. Là, il demande le mot de passe déjà. Ce que je vais faire, je vais enlever cette notion-là, connexion automatique. Là, vous devez connaître le mot de passe du réseau. Je vous prie de vous abonner, merci. Et vous aurez comme résultat, puisque l'access list est activé. Donc là, il teste, il s'est disconnecté. Voilà. C'est comme ça pour interdire une machine de se connecter à votre réseau via son adresse MAC qu'il laisse lorsqu'il se connecte, par exemple ici. Là, connecté, mais il n'a pas d'accès à ce réseau. Là, ça l'a directement éjecté. Ça, c'est la sécurité. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. D'autres matériels, par exemple, ça on a vu qu'est-ce que ça fait. Par exemple, prenons celui-ci, qui est un autre routeur avec un autre réseau. On ne va pas mémoriser ce mot de passe. Ici, dans la partie réglage, dans la partie avancé, vous aurez aussi la même mention, par exemple, filtrage d'adresse MAC, filtrage MAC. Ça, c'est pour les adresses IP. Vous pouvez filtrer l'adresse IP aussi. Vous pouvez interdire, par exemple, si la personne garde la même adresse IP. Et bien aussi, c'est une façon de ne pas le laisser se connecter aussi. Je vous prie de vous abonner, merci. Dans filtrage MAC, par exemple. On va voir, ça c'est désactivé. On va cliquer, bon, que c'est un routeur que j'ai, et liste noire. Ou liste blanche. OK?
Appareil connecté, donc là, ça, c'est les appareils qui sont connectés. Par exemple, j'ai vu que c'est un téléphone. Et ça, c'est tous vos appareils seront là. Par exemple, si je clique ici, ça, c'est une forme d'access list aussi, mais que je ne veux pas établir sur cette machine-là. Hop, on peut voir ce que ça nous dit de l'autre côté. Ça nous dit ceci. Et si je veux qu'il se connecte, ici, je peux décocher ceci. Turn access control on. Là, c'est le routeur, c'est normal. Ça fait trop longtemps, je suis resté sans agir sur l'interface du routeur. Donc là, il faut remettre le mot de passe comme ça doit. Et là, on peut faire apply avec les cases décochées. En principe, c'est bon. Et là, on peut tenter de se connecter. Il va pouvoir se connecter. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas d'accès Internet parce que le serveur DHCP n'est pas activé sur ce réseau. Sécurité de plus. Pour qu'il puisse avoir accès, quoi. Voilà, il vous dit ça en principe. C'est censé être plus strict que ça. Tout dépend de l'appareil que vous avez. Voilà, pour qu'il puisse avoir accès à Internet, vous n'avez pas accès à Internet, il faut que lui, il aille ici, là, dans les paramètres réseau non identifié. OK. Voilà, 4 réseaux, là, ça commence à faire un peu de défaut, mais il va revenir tout à l'heure. Comme ça, vous double-clic. Ici, le droit, propriété, vous allez dans les paramètres du PV4. Là, c'est un réseau qui ne connaît pas. Donc, par exemple, si je fais un CLS, je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Je fais un ipconfig. Vous allez voir que ça, c'est la carte réseau Ethernet qui est connectée sur ce réseau-là. Donc, elle est sur ce réseau-là. Il va falloir que j'aille donner une adresse en physique sur la carte réseau sans fil afin que cette machine puisse bénéficier de l'internet que fournit ce réseau. Donc en fait, c'est 67, voici le réseau, et 77, ensuite 97, ensuite là je lui mets quelque chose comme 246 ou 47, et le masque ici. C'est 240. Sinon, c'est pas la peine. Et l'adresse de la passerelle, donc c'est bien 67. Point. 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 Hop, je me rappelle bien c'était ça. Et ça, c'est bon. Je peux laisser ça comme cela. Mais, on va voir. Parce que, et on attend un petit peu. En principe, non connecté. Cette carte réseau est déjà les paramètres IP. Donc là, je peux venir connecter. Là, il va chercher. Vous voyez? Voilà. Le nom du réseau. Là, il a Internet. Eh bien, c'est la fin de ce tutoriel. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous pour la suite. Je vous prie de vous abonner, merci.